Comment ça va? Avouez, vous avez la grosse patate. Franchement, en tout cas, voilà, j'ai la grosse patate, j'ai la hype qui parcourt tout mon corps, là, chaque veine, chaque muscle, chaque partie de mon corps, elle est hypée. Elle est hypée, pourquoi elle est hypée? Parce que j'ai une annonce à vous faire. Bon, déjà, je tiens à vous rassurer, je continue Clash Royale. C'est public en folie, délire et tout, c'est trop bien. Oui, d'accord, ok, tu continues Clash Royale, très bien. Bon, jusque-là, c'est bien, ça, on est content. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Déjà, je peux vous dire que là-dessus, c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est en plus le jeu qui m'a permis de commencer le YouTube game, hein, de mettre dedans, et j'adore ça, j'adore faire des vidéos, j'adore échanger avec vous, j'adore faire des lives, enfin, c'est vraiment ça ce qui me fait kiffer, hein, les lives, les vidéos et tout. Je prends énormément de plaisir, c'est un truc qui me fait, mais surkiffer, c'est une passion monstrueuse, c'est une passion énorme. En plus, ça m'a permis de vous connaître, de vous rencontrer, de rencontrer énormément de monde, de rencontrer toute la communauté qui est complètement géniale. Et ça me fait chaud au cœur. Mais, du coup, moi, j'ai pas l'ambition de devenir un joueur pro de Clash Royale. Le tryhard, le connaître dans le détail, vous pas expliquer exactement les interactions, les match-up, les cartes, comment ils jouent, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Mais j'ai pas envie d'être un joueur pro, tu vois. J'ai pas envie de faire 16 heures, rejoindre une équipe, etc. C'est pas du tout mon délire. Moi, mon délire, c'est vraiment de creuser le jeu, le farmer, de connaître le mieux possible et vous faire du contenu dessus, faire des vidéos, faire des lives, ce qui s'appelle vulgariser, en fait. Hein. C'est rentrer dans le détail technique, très technique, et le rendre le plus simple possible, le kiting sur Clash Royale, savoir comment on va gérer un PK en 2.6 ou ce genre de truc. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer de savoir comment ça marche et de vous l'expliquer simplement au travers de courtes vidéos ou au travers de live et d'explications. Et c'est ça qui me fait kiffer au fond. Sauf que Clash Royale, arrive un moment, j'ai fait le tour, je connais le 2.9, je connais les interactions, je connais les match-up, je sais comment je fonctionne et j'ai besoin d'un nouveau truc, j'ai besoin d'un truc frais, j'ai besoin d'un truc en plus, j'ai besoin que mon cerveau il fourmille, que mon cerveau il parte sur plein de choses et qu'ils réfléchissent à plein de choses. Je viens d'un truc frais, d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi. Et ce défi, ça va être Runeterra. Mais c'est quoi un Runeterra? C'est quoi? Ok, c'est normal. Vous ne connaissez pas encore, c'est normal. Ou pas. D'ailleurs, pourquoi vous ne connaissez pas Runeterra? C'est un jeu qui va sortir bientôt. Il n'est pas encore sorti. Il sort jeudi prochain, jeudi 23. Et en avant-première et officiellement le vendredi 24. Donc vous pouvez vous enregistrer juste avec le lien en bas là, Runeterra. Ou sinon vous appelez Runeterra sur internet et vous arriverez directement sur le site playruneterra.com. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau jeu de Riot Games. Riot Games, si ça ne vous parle pas, c'est l'éditeur qui a créé League of Legends. Le jeu qui a le mieux réussi simplement depuis tous les jeux qui existent de mon point de vue à moi. Ils créent leur propre jeu de cartes. C'est un jeu de cartes basé sur l'univers de League of Legends. C'est le trading card game, TCG, le jeu de 2020 de cartes à jouer. C'est le jeu numéro 1. C'est un jeu qui est frais avec des mécaniques nouvelles, des graphismes monstrueux, un jeu qui, surtout, et ça vous avez, c'est incroyable, qui est accessible en free-to-play. Il est free-to-play friendly, tu peux complètement profiter 100% du jeu en étant free-to-play. Exactement comme League of Legends. C'est un jeu qui est... Il a tout, il a vraiment tout pour plaire de premier abord et j'ai vraiment envie de le tryhard et d'en découvrir davantage pour savoir si c'est vraiment, vraiment un jeu qui me fait kiffer et sur lequel j'ai envie de passer encore beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le tryhard, on va le signer, on va le bloquer, on va le prendre à bloc et je vais vous montrer un petit peu rapidement à quoi ça ressemble et comment c'est. Je vous laisse me remplacer rapidement par des images. Vous voyez, donc là c'est un jeu de cartes, donc vous avez votre jeu de cartes à vous, vous reconstruisez votre deck, l'adversaire de la même façon, il y a des héros qui sont évidemment les héros de League of Legends, que ce soit Anivia, Tryndamere, ça va être Draven, ça va être Caitlyn, enfin tous ces trucs là, les héros sont dessus, il y a des systèmes de cartes, de sorts, de tours, enfin je vous expliquerai tout dans le détail, hein. Vous aurez des vidéos, vous aurez des lives, vous aurez absolument tout pour comprendre et profiter au maximum du jeu avec moi. Je vais faire énormément de lives, je serai très présent en live de dessus. Dès le début, on va le tryhard, on va le farmer. Je vais faire en sorte que le contenu soit le plus agréable, qu'il vous profite le plus et que vous ayez le plus d'apprentissage possible en regardant mon stream et mes vidéos à l'habituel. Vous savez, hein, j'adore les contenus qualitatifs et j'adore saigner à mort un jeu pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne derrière. Donc Clash Royale sera évidemment toujours présent. Je suis toujours à fond, j'aurai toujours des invités. On continuera de parler des mises à jour, des nouveautés, des challenges, des meilleurs decks, des decks méta, etc. Ne vous en faites pas. Il y aura toujours du Clash Royale. Clash Royale est clairement un jeu qui me fait kiffer et qui continuera de me faire kiffer. Je vais juste me lancer un nouveau défi et partir à fond les ballons sur Runeterra
pour ce début d'année. Et j'ai trop hâte, ça me hype trop. C'est comme une nouvelle relation, vous savez. Quand vous avez la hype de la nouvelle relation, vous êtes à fond et tout, qu'il y a des trucs, tout à découvrir, etc. Et ben, c'est exactement ce que je ressens. J'ai besoin de, c'est une excitation, clairement. C'est un truc qui me hype. Et j'ai trop envie de tout découvrir et de vous en parler, mais dans les détails, et de me faire mon avis le plus poussé possible dessus. Donc Runeterra va arriver et on va le détruire. Et vous, c'est quoi votre challenge jeu vidéo cette année? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre propre challenge, que ce soit dans la vie ou dans les jeux vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, évidemment, et surtout à l'habituel, prenez bien soin de vous.